unis contre le racisme et le fascisme. Une marche a été organisée ce samedi dans les rues d'Hanau en Allemagne, là où 9 personnes ont trouvé la mort mercredi dans une double fusillade. Dans les mains des manifestants, les photos des victimes, dont les noms ont été lus devant leurs familles, certaines ont pris la parole. Nous, les familles, condamnons cette terrible attaque. Mais il ne s'agit pas seulement de nous. Nous avons tous été victimes de cet acte commis par une personne sans foi ni loi et à l'idéologie barbare. Sur les pancartes des manifestants, il y avait aussi de vives critiques adressées au parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne. Ce parti ouvertement xénophobe et représenté depuis 2 ans au Parlement allemand est accusé d'encourager les violences racistes. Dans une Allemagne en deuil après les fusillades perpétrées dans 2 bars à chicha d'Hanau, il a été le seul à se démarquer des hommages rendus aux victimes.